Et salut à tous, on se retrouve aujourd'hui sur un nouvel épisode de Slime Rancher puisque, comme vous l'avez demandé, je pars sur un let's play. Alors, objectif de cet épisode, il faudrait qu'on arrive à se faire de l'argent. Clairement, on va avoir besoin d'argent parce que il nous faudrait un enclos pour ces petits slimes bleus là qui courent partout et que ça m'énerve un peu. Ce serait bien aussi de pouvoir se faire un poulailler, il faudrait pouvoir cultiver des arbres, de la nourriture, etc. Hop, 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 c'est pour moi. Et ben voilà, je l'ai loupé. Oh, il y a une caisse là. Ouais, une poule en rocailleuse. Bon alors, qu'est-ce qu'on va faire? On va acheter le slime rose, on en a pas besoin. Du coup, on a un gros slime là, qui rose, qui vole. Ok, je me demande si ça peut être des dominances différentes. Style, des fois, c'est un... C'est un gros, je sais pas. Je sais pas comment on peut mélanger le petit bleu luciole et le rose sans que ça donne un gros rose. Genre peut-être un gros bleu capa d'aile. Peut-être, j'en sais rien. Est-ce que c'est possible d'avoir des résultats différents pour un même slime qui mange le plort d'un autre même slime? Enfin, vous avez compris, hein. Bon, voilà. Alors, faudrait bien qu'on le nourrisse aussi, lui, là-bas. Mais est-ce que c'est plus important de se faire des sous ou de trouver de la nourriture pour nourrir le slime géant? Ça, je sais pas. Oh oh oh, là-bas, là-bas, là-bas. Youp. Ok, bon, on a trois plantes, on va pas aller super loin. Lui, ok, c'est juste un slime qui se balade. J'ai une poule rocailleuse, je sais pas ce que je vais en faire, moi, de cette poule. Je sais pas trop comment me faire des sous en fait. Je pense que les fruits c'est un bon moyen hein, puisque tu les donnes au slime, ça te fait des plortes. Mais à mon avis, il faudrait plutôt que je nourrisse les chats que les slimes classiques, les roses là. Parce que les chats, leurs plortes rapportent plus. Mais ça veut dire sacrifier des poules. Je sais pas si je veux sacrifier des poules. Parce que je sais pas comment avoir des poules. Déjà, on va mettre Miss Poupoule Rocailleuse ici, voilà. Et tant pis pour les autres. Tac. Elles sont moins rares parce que j'arrête pas d'en croiser. Donc on va donner les poupoules à manger au chacha. Là, là, là. Ok, on va récupérer ces petites choses-là. Ouh, ça crée de l'action. Hop, il est où le dernier? Il est là. Ok, on a trois petits plortes. Et alors là, boum, 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 boum. Hop, on récupère les petits plortes. Vous savez quoi, on va juste tout récupérer et puis on rejettera les slimes après. Tac. Là, on a nos plortes. Il n'y en a pas un qui veut manger là? Bon, c'est pas grave. En tout cas, ça... Mais j'ai perdu un luciole. Bon, je sais pas. Ok, alors ça, ça nous rapporte 24, c'est bien ça, 24. Ok, donc on est à 396. Qu'est-ce qu'on peut faire avec 396? Est-ce qu'on peut faire un autre enclos? Un corral, 250. Ok, on fait un autre corral. Encore une poule là. Et on va mettre eux. Alors oui, je sais, on a les slimes phosphorescents aussi qu'il faut qu'on range quelque part. Mais eux, ça va nous coûter plus cher parce qu'il faut aussi qu'on mette un truc, une protection, parce qu'ils craignent le soleil. Donc, tac, on va déjà mettre les trois petits gars là, la poupoule. Oh, ils sont droits, fermés. Ok, donne-moi ça. Hop, nickel. Et puis là, on en avait un autre aussi qui traînait. Toc, ok, bien. Alors, on va vendre ça. Tac. Clairement, il faut que je trouve des poules. C'est... Faudrait que je me fasse un poulailler. On pourrait peut-être le faire là. Poulailler, poulailler. 250. Ok, on se fait 250, on se fait un poulailler. Comme ça, on pourra avoir plein de poules, nourrir les chats. Et ça nous permettra de nous faire de l'argent facilement. Donc, est-ce que ça commence à pousser? Pas du tout. Alors, les carottes, peut-être que ça commence à pousser, j'en sais rien. Là, oui, clairement, ça commence. Je sais pas si on peut voir grossir à vue d'œil ou pas. J'ai pas l'impression, à mon avis, c'est par stade. Ok, là on a plein de slime, mais on s'en fiche. Les carottes, non. Ah, là, des poussins. Je suis sûre que les poussins, ça va grandir en poule, forcément. Donc si je les mets dans un poulailler, ça va le faire, j'imagine. Ok, donc on a des poussins. Faut qu'on récupère quoi ici? Tac,
Tac. Ok, là on a du plort. Ok, bon là où il a mangé celui que je visais, c'est pas grave. Ah, là encore du poussin. Faut qu'on aille là-haut. Là, super, une cocotte. Alors par contre, j'ai l'impression qu'elles partent vite, les cocottes. Il y a un truc là-haut, on va aller voir ce que c'est. Faut que j'attende de récupérer mon énergie. Alors toi, tu me vises pas, hein, ça va. Tac. Ok, qu'est-ce que c'est que ça? Capsule trésor. Elle est verrouillée. Eh ben, c'est super, hein, comment je fais pour la déverrouiller? Ah bon, bah, ok, d'accord, merci. C'est pas grave. Allez, on va chercher de l'autre côté. On avait vu ici qu'il y avait des fruits, des frubes. Tac. Ok, ça se passe vite ici. Tac. Cocotte. Oh, il y a des plantes de chat. Je préfère les plantes de chat. En plus, ils miaulent, c'est trop mignon. Il y a des carottes aussi, mais on s'en fiche. Quoi, j'ai jeté les plantes de chat. Ah oui, ils sont en train de manger des trucs, d'accord. Ok, un peu deg. Vraiment, je suis deg. C'est pas grave. Tac. Les gros, en fait, ils donnent deux. Ils donnent un de leur couleur et un de l'autre couleur. C'est trop bien. Faut qu'on cultive des gros. Hein. En même temps, je sais pas. Parce que est-ce que ça vaut le coup genre d'avoir plein de roses, c'est peut-être pas nécessaire. Mais peut-être pour mutualiser. Genre si on a plus assez d'espace pour faire plein de coral, je pense que ça se dit des corals, on pourrait envisager, donc non lui on va le laisser tranquille, de faire un coral pour deux espèces, sachant qu'on aura deux espèces qui seront pas représentées ailleurs. Quoi. Comme les roses, on n'a pas envie d'en avoir 600 000. Ok, bon bah j'aurais pas eu beaucoup de poules, hein, mine de rien, 2 poules et 4 poussinous. Mais j'ai des plots de tigrés. Bon, on va donner les poupoules aux chats, histoire de se faire un peu plus d'argent. Il y a des chats qui meurent de faim. Tac, tac. Ok, on récupère ça. On récupère ça. Toi, tu viens là. On va vendre ça. Ok, on a les 250. Donc ça veut dire que on peut faire notre poulailler. Tac, tac, tac. Acquérir. E pour activer. Mur haut, herbe printanière. Ah, vitamineur. D'accord, donc ça les fait grandir deux fois plus vite. Ça les fait pondre deux fois plus vite. Et ça, c'est pour éviter que les slimes viennent bouffer les poules. Je pense que c'est plutôt une bonne idée. Mais pour l'instant, j'ai pas trop de slimes qui se baladent, donc c'est pas un problème. On va laisser les poussinous dans ce coin-là. Je sais pas s'il faut une poule adulte. On a la poule rocailleuse, là. Toc, viens là, toi. Fais des bébés. Hop. Bah du coup, on a... Hé, hey, tu fais quoi, là? Toc, toc, toc. Viens là, toi. Pouk. Peut-être que pour eux aussi, il faut des murs hauts. Je pense que pour tout le monde, il faut des murs hauts. Ou des toits, ou je sais pas. Ah, j'ai un mail. Salut, bla bla bla. D'accord, il faut qu'on aille voir la zone d'échange. Tac. Aide-moi et je vais m'assurer que tu aies ce qui t'est dû. Oh, 250 pièces, c'est bien 250 pièces. Avec des... D'accord. Donc il nous faut 5 carottes, 7 chats et 6 slime roses. Bah, franchement, ça va être hyper simple. Les 7 chats, bah, plus compliqué à mon avis. J'ai pas trop envie de sacrifier les miens, mais bon, s'il faut... voilà, hein, s'il faut. Donc 5 carottes, 6 slime roses et 7 chats. Allez, on y va. Normalement, j'ai assez de place pour tout le monde. Je me souviens plus des quantités, donc on va prendre 7 de chaque. Tac. Hop, hop. Ah, les carottes sont pas prêtes. Tac. Hop, ok. On a les slime roses. On en a même un peu plus. Là, on a des carottes, mais elles sont pas prêtes. Là-bas, pareil.
On va attendre qu'elle pousse un petit peu. Et on doit avoir des chats dans le coin. On a peut-être des carottes ici. Hein. On a peut-être des poules aussi. Ok, un petit chat. On prend le chat. Là-bas aussi, il y avait des chats. Là-bas, il popait, il sortait du sol. Oh, je veux lui. Wow. Oh, qu'est-ce qui s'est passé? Non, pouf, je m'en fous. Hop, je veux ça. Riche jusqu'au bout des slimes. Mais moi, je voulais slime. Oh, dégoûté. Bon, on va laisser ça là, c'est pas grave. Tac. J'ai eu le petit chat. Wow. Non, Oh, je peux pas la voir. Ok, alors, j'ai l'impression que les petits slimes dorés, là, je peux pas les prendre. Ou peut-être c'est trop tôt, je sais pas. Mais par contre... Tac, déjà vous venez là. Je sais pas pourquoi, mais vous venez là. Par contre, je peux récupérer leur plorte. Et le plorte, à mon avis, ça se vend très bien. Ou si c'est pas le cas, franchement, c'est une grosse arnaque. Ok, donc, j'ai vu que les carottes avaient commencé à pousser, la bouffe aussi. On va mettre nos petits slimes roses. Tac, dans la boîte. Je pense qu'il nous faudra des murs... Des protections plus importantes pour les slimes roses. Mur plus haut, un toit, tout ce qu'il faut. Parce que là, ils vont commencer à être beaucoup, ils vont se bousculer. Par contre, on en a 6 qu'on va mettre là. Ok, les chats, 1, 2, 3, il nous en manque 4. Il nous faut des carottes aussi. Tac, 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 tac. Et là-bas, on va mettre nos plantes dorées qui valent... Ah ouais, 324, mais c'est trop bien. Du coup, ça veut dire que... Attendez, attendez, attendez. Tac. On peut se faire un coral, c'est seulement 250, ça va. Et ensuite, on fait un bouclier solaire à 425. Ce qui veut dire qu'on peut mettre nos petites lucioles. Je sais pas si c'est... Ouais, non, clairement, c'est... Il faut leur mettre des murs hauts, hein, sinon elles vont s'envoler. Ouais, d'accord. Vous êtes trop nuls. Bon, ok, il faudra aussi mettre un filet aérien qui coûte 425. Donc un peu dégoûté, mais c'est pas grave. De toute façon, les 425, on va bientôt se les faire. Il nous faut donc 5 carottes et 4 chats encore. Allez, on y va. Là, les carottes, c'est bon. Ok. Et on va prendre ça aussi. Ok, puis il faudra regarder ce que mangent les plortes bleues. Pas les plortes, les slimes bleus. Ok, là c'est toujours pas poussé. Là il n'y a pas de nouveau poussinou. Ah, j'ai pris un slime rose. Donc. Ok, donc on avait laissé des trucs là-bas. Je me souviens plus du tout quoi, mais on avait laissé des trucs. On avait laissé des plortes. Plein de plortes. Ceci étant, s'il y a des chats, je privilégie les chats. Oh, il y a une poupoule. Je pense que je vais privilégier la poupoule. Ah, je sais pas. 7 contre une poupoule. Non, allez, on va garder les 7. Par contre, on a les carottes. Ça, c'est cool. Ça veut dire il nous manque plus que les chats. Mais comme j'ai pas de place, on va rentrer à la maison. Ça, c'est un peu pénible. Faudrait un petit bouton téléportation. Je pense qu'on peut aller là avec notre jetpack. D'accord, là, il y a de l'eau. Oh, il y a encore une capsule. Bah oui, évidemment. D'accord. Ok, on a des ça là. Bon, bah on sait où les trouver, c'est bien. Hop, ça c'est toujours pas prêt. Allez, on passe à la maison, on va mettre les carottes dans la machine. On va donner à manger au slime. Du coup, les chats, ils mangent pas de fruits, je pense. Tac. Ça c'est bon, il nous reste 4 chats à mettre. Bah je pense que je vais mettre mes chats, hein, c'est pas grave. Tac, vous mangez des légumes, non? Ouais. Tac, hop là. Hop là. Ce gros morphal, il en a pris 2 lui, non? Ok, les pogo fruits. Tac, tac, tac. Hop, on récupère les petites plortes. Allez, on s'en fiche.
Wow, 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 ça vole. Tac. Mais arrête! Voilà. Et voilà. Hop. C'est bon, on arrête de sauter. Ils vont être trop agités, c'est sûr. Bon, allez, on en a 3, ça se vend. Bon, 18, c'est pas ouf, mais c'est pas grave. Ah, 179. Allez, on peut encore monter un petit peu. Et il nous faut... Bah allez, on va mettre les 4 chars. Allez, 1, 2, 3, 4. Je suis désolée les petits chars, hein, vraiment. Mais c'est du commerce, c'est pas... Je vous tue pas, je vous cède à quelqu'un d'autre. Wouh! Ah bah c'est cool! Betterave cœur. Bah c'est ce qu'on a vu là-bas. Ok, peut-être qu'on devrait la cultiver. Tac, on va vendre ces trucs-là. Tiens, pourquoi j'ai un slime rose encore? Tac, on va les vendre avant que ça perde de la valeur. Ok, et là par contre on a des sous, et ça c'est cool. Donc, première utilisation des sous, ça... Oh les poules elles ont bien poussé. Ça va être... Ça, on va mettre le filet aérien. Tac, et il faudrait presque des murs hauts en plus, mais de toute manière j'ai plus de sous. Donc voilà. Ouh, et ben ça va me libérer, hein. Alors par contre, Slimepedia, les slimes, eux, ils mangent des fruits et préfèrent les frubes. Et eux, c'est des légumes, c'est bien ça. Eux, c'est de la viande. Et eux, c'est fruits, légumes et viande. Ok, c'est cool. Alors par contre, ils sautent beaucoup. je pense qu'il faudrait aussi faire donc des murs hauts à 350. Une boîte à musique pour qu'ils se calment à 350 aussi. Et après, il faudrait que je me penche un peu sur ces trucs-là. Mais qu'est-ce que ça coûte cher? Bon, quand est-ce que j'ai un nouveau deal? Ok, bon bah pas tout de suite en tout cas. Cocotte, écoute, tac, 1, 2, 3, on en laisse une de chaque, j'espère que ça suffit à reproduire l'espèce. 1, 2, 3. Hop. Hop. Non, c'est pas ça que je veux faire. 1, 2, 3. Ok, donc j'ai récupéré du plan tigré. Et ça, ça fait plaisir. Ok, bon, on a 200. Nous sont 2. Qu'est-ce qu'on peut faire? Eh 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 eh! Qu'est-ce que tu fais là, toi? Ok, bon, objectif déjà pas mal rempli, puisqu'on a réussi à stocker les slimes bleus rocailleux, les slimes lucioles, les chats, ça se passe bien. Faudrait quand même améliorer l'enclos, et j'aimerais bien faire pousser de la betterave de cœur, puisque on en a pas beaucoup. Du coup, ça pourrait être sympa. Donc, on va récupérer du manger. On va voir s'il n'y a pas le jaune là encore là-bas. J'ai l'impression qu'il est quand même hyper spécifique à la zone là-bas. Ok. Oh, les pommes aussi. Oh, c'est pas des pommes. Laissez-moi dire des pommes. Ok, tac. Là, on a du plort. Bah, vous avez mangé toutes les pommes. Hein. Ok. Oh, il y a un poussinou pas loin. Oh, qu'est-ce que je fais? Bah, je le laisse. Ok, on rentre. On va s'occuper de tout ça. Ou alors, je sais ce que je fais. La pas bête est où? Tac, mange. 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 Ok, lui c'est bon. Mange. 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 Mangez. Hop, et du coup s'il mange, moi je récupère les plortes, je peux récupérer Poussinou. Tac, voilà, bon compromis. C'est bon, il y en a plus? Ok, nice. Donc, si on peut avoir d'autres Poussinou, ça pourrait être assez cool. Carotte, je vais plus avoir la place. Chat, bon moi j'ai pas la place non plus. Il y a des cocottes, mais là il y a plein de cocottes. Oh là là, je préfère les cocottes aux Poussinou. Tac, 2 cocottes, 3 cocottes. Bah oui, non, mais forcément, je préfère les cocottes aux poussinous. Là, on a du plort. Ok, faudra qu'on... Ouais, un petit plort. Faudra qu'on revienne pour chercher des chats ici. Il y en a plein, c'est plutôt bien. Là, c'est les lucioles, on s'en fiche. Ah, ouais, non, mais j'ai plus de place. Il faudra... Pff, il me faut tellement de sous. En fait, quand tu débutes, t'as besoin de sous pour tout, pour absolument tout. Mais en vrai, là, il faudrait que je puisse avoir une jauge d'énergie qui soit un peu plus grande, parce que bon, pff, voilà, hein, juste voilà. Vous, vous mangez des fruits? Non? Non, vous mangez pas des fruits.
carottes, vous mangez quoi? Slime, machin. Si, des fruits. Ah oui, mais les carottes, c'est pas un fruit. Ouais, juste, c'est... effectivement, la carotte n'est pas un fruit. Laissez-moi tranquille. Donc, tac, vous mangez des carottes. Voilà, vous mangez des carottes. Alors, mangez des carottes. Tais-toi, toi. Vous êtes déjà pas nombreux, alors vous amusez pas à vous barrer, mais... Ah! Mais arrêtez de faire un... Il faut un escalier pour sortir. Non, mais c'est ouf. Pourquoi ils veulent aller là-bas? À cause des carottes, je suis sûre que c'est à cause des carottes. Oh là là, bon, écoutez, tac, on va récupérer toutes les carottes, de toute façon, ils ne mangent pas. Ouh! Non, 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 alors attendez. Voilà, ça va faire des bêtises, là. Oh là là. Ça y est, ça fait plein de bêtises. Tac, hop. Et alors, toi, tu me fais un peu peur, franchement. J'ai pas envie de le laisser là. Parce que si je le laisse là, ça veut dire que les autres... Potentiellement, si lui, il mange... Oh. Je suis désolée, mais non, tu vas ailleurs. Pouf. Ah, c'est pas simple, hein, d'être éleveur. Non, mais il faut plus d'argent, comme ça, je pourrais faire des trucs. Ah oui, mais je suis full. Oh, c'est compliqué. Allez. Bon, 20 x 7, c'est déjà pas mal. Hein? Mais laisse-moi tranquille. Je m'en fiche de tes chargements. Ah. Bon, ok, 7, ça bouge plus. Au moins, c'est ça prix. Tac, tac. Ok, on récupère du plort. En plus, du plort rose, on en a plein, là. Tac, allez, hop. Hop, hop. Ok, on est pas mal. On va mettre les petits slimes, là. Ok, il faudrait aussi leur mettre un toit. Je vais mettre aussi des poules. Est-ce que ça pond, là-bas, ou est-ce que ça pond pas? Pourquoi? Si, ok. On va en mettre une autre, au cas où. Et on va donner les deux dernières à manger aux chats. Voilà, pour les chats. Pour les petits chats. Hé! Ah, mais vous êtes trop relous! Bon, écoutez. Moi, j'en ai marre. Mur haut. Boum! Non, mais c'est pas possible, ça. Bon alors toi déjà, on en a déjà parlé, hein, boum. Hé, va pas manger mes poules toi. Non, non, non. Ah là là. C'est compliqué. C'est pas grave, on s'en sort. Il y a un truc à droite, j'ai même pas regardé ce que c'était. Qu'est-ce que c'est ça? Appuyez pour activer. Marché du plort. Marché du plort, non. D'accord, c'est l'explication de ce truc-là. Ok. Donc, on n'avait pas dit aussi qu'on allait faire un autre truc, si j'ai plus les sous. Je voulais faire un jardin, ça coûte 250. Et j'ai pas 250. Bon, attendez, des betteraves-cœurs, j'en ai pas besoin de 50. Fruits, eux, ils mangent des fruits. Non, pas du tout, ils mangent pas des fruits, ils mangent des légumes. Eux, ils mangent des fruits. Non ? Ah, la betterave, c'est pas un fruit, c'est un légume. Non, mais faut que je me réveille, hein, tout va bien. Ok, donc bah du coup, ça va être pour eux. Mais eux, ils ont déjà mangé, donc ils s'en fichent, à mon avis. Tuc. Tuc, tuc. Ah, mais par contre, il en a fait deux. Parce que c'est... Alors, attendez, que je vérifie. Slimepedia, slime, machin... C'est la betterave de cœur qu'ils préfèrent, donc quand on leur donne la betterave de cœur, ils pondent deux plantes. Ok, c'est super intéressant. On va mettre ça là-bas. Faudra aussi qu'on regarde pour améliorer notre arme. Oh, je suis si proche! Bah écoutez, c'est pas grave, on va en sacrifier une. Est-ce qu'on en sacrifie une? Est-ce qu'on met ça en espérant que quelqu'un le mange? Bon, on va faire ça. Et... Oh là, qu'est-ce qu'il fait lui? Ok, on fait ça et on va en donner une là. Voilà.
passe-moi ça. Ok, donc normalement, vu que le taux de change est à 7... Ouais, il est à 7, il n'a pas bougé. Je suis à 250, et avec 250... Tac, c'était ça, c'était 250. Ouais, c'est 250. Hop, on peut faire ça, et du coup, je peux mettre une betterave ici. Et maintenant, je fais pousser des betteraves cœur. Ouf, c'est pas mal. Bon, par contre, j'aurais toujours pas de... de quoi que ce soit ici. Ça va pas du tout, les cocottes. Et on va donner la dernière betterave cœur à ces petits... Ah non, regardez ce qu'on va faire. On va prendre lui, là. Monsieur Gordo Monster. Touk. Mange. Ok, il est pas très gentil, mais au moins, j'ai eu tout ça. Et voilà, c'est comme ça qu'on se fait des sous. Tac, tac. Tac, tac. Je pense que je le virerai au bout d'un moment. Mais en attendant, on va rester là avec lui. Nous, on va rentrer à l'intérieur pour se mettre à l'abri. Et, ouf, c'était pas simple. On en est au jour 3. Et, ouais, c'est, ça demande d'être attentif à tout. Ok, donc il faudrait quand même se concentrer sur le marché. Le marché, ça a l'air d'être hyper intéressant. Pas le marché des plantes, plus la partie commerce où on échange avec les autres personnes, parce que ça nous permet d'avoir des sous facilement. Enfin, je sais pas si à chaque fois il y a des sous, mais déjà on a des ressources, on a eu des plantes, on a eu des légumes, je crois, et on a aussi eu, bah du coup, les betteraves cœur, et on a aussi eu des sous. Donc si on a un truc qui se mange, un plort, un type de plort et des sous à chaque fois, moi ça me va très bien. Même 250, si c'est pas 250 et que c'est seulement 100, bah c'est 100 facile, donc c'est plutôt cool. Donc ça, il faudra qu'on regarde. Là, c'était plus activé, il y a sûrement un cooldown, faudra... peut-être c'est une fois par jour, hein, je sais pas trop. Bref, donc il y a ce truc là à faire bien attention, et bah on va essayer d'aller un petit peu plus loin, de nourrir le gros slime qu'on avait croisé, et puis d'explorer un petit peu pour voir ce qui se passe. En tout cas, j'espère que vous êtes contents de trouver le let's play comme vous l'avez demandé. On se retrouve du coup dans 3 jours, je crois, 1, 2, 3, oui, dans 3 jours pour le prochain épisode. D'ici là, portez-vous bien, ciao, bye bye.